Alors vous êtes en équilibre archi précaire sur une pile énorme de livres. J'en ai 1, 2, 3, 25 livres. Si la catastrophe arrive, je suis mal. Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va être bien pour vous. Je vais faire un tag, voilà, c'est pour ça que je suis ici avec vous, debout avec mes bookshelves. Je vais faire le tag, est-ce que tu as ce livre ou non. En fait c'est un tag en anglais, donc je vais devoir un peu traduire les questions. Le truc c'est que c'est un challenge avec un temps, donc il faut se timer. Moi j'aurai en plus à traduire les questions, donc je suis désolée, mais va falloir compter ça dans le temps. C'est pas que je suis mauvaise perdante, mais... Je suis obligée de me pencher parce que vraiment je pouvais pas mettre la pile de livres plus haut parce que sinon j'allais faire une catastrophe, je le sentais venir à 15 km, voilà. Je me pencherai, c'est pas grave, je fais ma petite prière. C'est parti pour le challenge, je transpire déjà off the moustache et off the menton, donc... J'ai vu ce tag sur la chaîne de Emily, Books with Emily Fox. Donc j'ai vu sur sa chaîne ce petit tag et je me suis dit très bien, je vais transpirer et faire la même chose. J'ai une question. Ah oui, il faut que je mette un timer, attendez, attendez. Et sachant que la fille qui a créé ce tag, elle a mis 8 minutes. Emily, je me rappelle plus combien de temps elle a mis. Mais enfin en tout cas la fille qui a créé le tag, elle a mis 8 minutes. Donc allez, c'est parti, 3, 2, 1. C'est parti! Là où sont les questions? Alors question numéro 1, do you have a book with deckled edges? Donc est-ce que tu as un livre avec les pages trop bizarres sur le côté que je déteste? Et je peux vous dire déjà non, je l'ai pas parce que je déteste ces pages là. Question numéro 2. Do you have a book with 3 or more people on the cover? Est-ce que tu as un livre avec 3 ou plus de personnes sur la couverture? 3 ou plus, mais vous êtes fous, il y en a toujours que 2, j'ai que des romances. 3 ou plus, non, j'ai tellement chaud, je vais mourir. Tout va bien. Je suis en train de regarder dans ces livres là mais franchement je vous jure je les sors pas. Non. Oh si, j'en ai trouvé un. Question numéro 3. Ah, où sont les questions? Question numéro 3. Do you have a book based on another fictional story? Un bouquin basé sur de la fiction. Genre un retailing? Bah j'ai à côté The Bell and the Bête. Question numéro 4. Do you have a book with a title 10 letters long? Un bouquin avec un titre qui fait plus de 10 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui. More happy than not, de Adam Silver. Do you have a book with a title that starts and ends with the same letter? Un bouquin qui commence avec un titre qui commence et qui finit par la même lettre. Seigneur Jésus, help. Je regarde dans les titres en anglais parce que souvent, ils ont... Ah oui, j'ai trouvé. Smoke and Mirrors. Do you have a book with a title... c'est j'ai déjà dit. Do you have a mass market paperback book? Ouais, non. Ça, ils appellent ça un mass market paperback, mais en fait, c'est... des livres en poche. Chasseuse de la nuit, ma vie. Do you have a book written by an author using a pen name? Quelqu'un qui utilise un nom de plume, Nina Quill. Bah Christina Loren, elle s'appelle pas Christina Loren. Vous voyez ce que je veux dire? Elle s'appelle... Moi, non, mais de toute façon, j'ai... Voilà. Allez, c'est parti. Amélie Patriote, regardez-moi cet torse-poil magnifique. Là-dedans, elle s'appelle Amélie C. Astier et Marie Matthews, vous voyez. Et là, bah, je vais prendre celui-là plutôt. Parce que voilà, Amélie et Marie Rage, vous voyez. Enfin bref, non, bah, je vais prendre que Amélie parce que je sens que celui-là va me servir pour une autre. You have a book with the character's name in the title. Avec le nom d'un personnage dans le titre, Aristotle and Dante découvre le secret de l'univers, oui. Après pour ranger ma bibliothèque, bonsoir. Do you have a book with 2 maps in it? 2 maps, j'allais ressortir à Cotard, mais Anna où? Prince captif, can you help? Une map. Prince captif, you did it comme trou. Ce livre que je viens d'acheter de Stone Crow, il y en a une là. Mais il est trop beau ce livre, oh mais ça marche pas avec Grisha. Une map. Il y a une map. Il y a une map. Les gars, une map, j'en ai marre. Bon, je crois que dans Akotar il y en a 2, alors je vais reprendre Akotar et vous allez pas me sourire. Voilà. Il y a la grosse map et il y a un zoom, donc il y a 2 maps. Donc, Do you have a book that was turned into a TV show? Donc un bouquin qui a été adapté en TV show, oui. Ah non, je les ai vendus parce que je les détestais. Anna, oups, c'était le journal d'un vampire. Oui. Oh, j'y avais déjà pensé en plus. Ma vie. J'aime trop ce TV show, enfin j'aime trop cette série, elle est trop bien. On t'a pas demandé ton avis, dépêche-toi. Do you have a book written by someone who is originally famous for something celebrity? Un bouquin écrit par une célébrité.
Je dois avoir des bouquins des One Direction, mais des One Direction, ils n'ont pas été écrits par eux, donc non. Oui. Mais comment j'ai pu ne pas y penser? My dumbass. Je vous montre ça, mais en vrai la couverture c'est ça. Tom Fletcher and Giovanna Fletcher, c'est Tom, il fait partie du groupe McFly, ma vie. Et vraiment, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé. Do you have a book with a clock on the cover? What? Avec une horloge sur la couverture? C'est quoi ces questions? Oh! Oh! Yes! Yes, mama! J'en ai trouvé un avec le Big Ben. Donc c'est une horloge, c'est une grosse horloge. Do you have a poetry book? Book. Un book de poésie? Non. Si, maybe, parce que j'ai dû en lire quand j'étais au lycée, collège, etc. Mais là-dedans, non. To be honest, je suis pas... Moi, je lis de la... Hein? Ensuite, do you have a book with a no word stamp on it? Et je crois que je vais réutiliser... Parce que ça, c'est que les bouquins en anglais qui ont... Enfin, les bouquins en anglais qui ont des trucs comme ça. Oh! Oui, oui. My baby. It has a price. So, yes. Do you have a book written by an author... With the same initials as you. Un auteur qui a les mêmes initiales que toi. Est-ce que ce serait mes vraies initiales ou mes fausses initiales? Que ce soit l'un ou l'autre, je ne vais pas trouver. J'ai si chaud. Donc non, je vais pas en trouver. Voilà. Do you have a book of short stories? Yes, ma'am. Right here. Do you have a book that is between 500 and 510 pages? Entre 500 et 510 pages? C'est si précis, excusez-moi. Oh, il fait pas assez. J'ai trop envie de le sortir. Chaise ouf magique. Il fait 500 pages. 500 quelque chose. Chaise ouf magique. You have a book that was turned into a movie. Donc un livre qui a été fait en film. Et donc je vais vous sortir mon très cher After. Parce que c'est drôle. Et j'en ai sans doute d'autres, mais il y avait Outlander, il y avait... Percy Jackson, j'ai Percy Jackson si vous voulez, mais c'est moins drôle qu'After. Do you have a graphic novel? Un roman graphique, oui, là en dessous. J'ai déjà sorti Love is Love, mais qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Est-ce que le manga ça compte? J'ai plein de mangas sinon. Voilà. Bref. Do you have a book written by two or more authors? Et donc là, j'ai Amélie et Marie Rack. Ou bien Christine. Tiens, Christina Lorraine. By Christina and Lorraine. Et c'est tout, c'est fini! Stop. Oh là. 14 minutes 20. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le thé ou enfin ça se passe comment? 14 minutes 20. Comment elle a mis 8 minutes elle? Elle a peut-être pas traduit et peut-être qu'elle était pas en train de raconter sa vie au milieu peut-être aussi. Donc voilà, c'en est tout pour ce petit challenge de la mort qui tue, j'ai eu chaud. N'hésitez pas à refaire le tag sur vos chaînes si l'envie vous en dit. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.